Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine ActuBuzz. Tous les plaisirs pour moi de vous savoir nombreux en train de nous regarder. Nous allons nous attarder autour de l'actualité comme d'habitude. On va faire les points sur l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. C'est prévu pour ce mercredi 3 février. On va revenir sur la formation du prochain gouvernement, un gouvernement dit d'union sacrée. On va donc tenter de décortiquer ces questions. On va aussi faire les points sur les communiqués du directeur des cabinets du président de la République qui annonce quelques mesures restrictives vis-à-vis des membres du gouvernement. Voilà donc, mesdames et messieurs, les menus de cette émission. Et j'ai le réel plaisir de recevoir sur ce plateau celui qui est, pour plusieurs journalistes de ma génération, un modèle. Il a marqué son temps à travers les vrais journaux, questions publiques, devoirs. Des mémoires, il a fait parler de lui. Et lui, c'est donc Peter Tiani Malembe, DG du Vrai Journal. Bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour, merci pour l'invitation, Hervé Thomas. Ça n'a pas été facile. Ah oui, mais je te suis beaucoup, beaucoup. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Félicitations, vraiment, vous faites un grand travail, Congo Buzz. Je suis très fier de toi. Je te souviendrai même qu'il y avait les mamans au bruit. Il y a un partenaire, un membre de la Tindalagé, qui a traité pour le monde, pour le niveau, en tout cas. Clin d'œil à Christian Bossembe. Je suis super content. C'est ça notre génération. On doit évoluer ensemble. On est une famille. L'important, c'est le bien du Congolais, du Congo. Très bien. Donc, je suis très fier aujourd'hui. Nayaka Mdayambangez, Christian Bossembe. Et là, je suis en face de Hervé. Et j'ai vu tes émissions précédentes. Très bien. On va parler d'actualité. Mais avant cela, j'aimerais qu'on puisse faire un peu quelques points. Peter Tiani, vous avez fait parler de vous à travers les vrais journaux, devoirs des mémoires, mais on vous accuse depuis un moment de chercher à protéger vos anciens camarades de l'opposition qui sont aujourd'hui au pouvoir. Devoirs des mémoires et Koufi, parce que vous cherchez à protéger aujourd'hui Félix Tshisekedi. Il a dit des choses hier qui ne sont pas réalisées aujourd'hui et vous êtes dans la difficulté de reproduire ces différents devoirs des mémoires. Non, devoirs des mémoires, au Salé Bien, on a posé question en février, devoirs des mémoires, Zoni Mobimba. Il est certes vrai que on a eu un problème de production de devoirs de mémoire. Faire devoirs de mémoire, ça nous prend minimum 2 semaines. Donc tout ça, il y aura 2 devoirs de mémoire, moi, mon corps. Mais 6 ou 8 heures de travail par jour, c'est un travail énorme. Et il arrive des fois que tu es en difficulté même pour payer les agents et tout. Et on était vraiment en difficulté de production. Bon, quand même, c'est ça. Tu peux avoir une initiative, une bonne initiative, mais bah, sponsor, bah, ça, t'es, les devoirs de mémoire, c'est qu'on sont fermés, qu'on a la vidéo, que. Mais après, il faut foutre Ndaku, tout ça, ça fait que ça secoue devoir de mémoire. Mais Dieu aidant, on a essayé de compiler un certain nombre de choses. Si qu'on a fait vrai, très bien. Devoir de mémoire, on a tant qu'à outil, vous voyez, l'union sacrée. Les Mende, les Mbika, ils sont nombreux. La minute de devoir de mémoire, ça, mais ce sera tout le monde. C'est ça tout le monde. Oh Fachi, oh Chairman Moïse, oh Fayoulou. Même Katumbi. Même Katumbi. Ezu. Ah non. Oui, anecdote. Le journal est qui? C'était le journal de mercredi, je crois. Dans mon téléspectateur, moi, ben, on était à Tomboki. Il y a un chairman Moïse Katumbi à Tomboki. Comment le CG de l'SID, c'est qui? Kitoko, Devos. C'est là, Devos Kitoko. Professeur. Il a tiré, sérieusement, il a dit qu'on l'a chassé le Moïse. Et tout. Un monsieur m'a appelé, mais comment? Mais justement parce qu'on vous connaît très proche de Moïse Katumbi. Bon, il est vrai. Il y a même quelqu'un qui m'a dit Moïse Katumbi, président de la République, Peter Tiani, directement son directeur, et plutôt directeur de la presse présidentielle. Ce sera un honneur. Moïse Katumbi, premier ministre, Peter Tiani, directeur de la presse. Ce sera un honneur. Ce sera un honneur pour moi de travailler avec Moïse Katumbi. Ce sera un honneur pour moi de travailler avec Félix Tshisekedi. Honneur pour moi de travailler avec Martin Fayoulou. Parce que c'est des gens qui se sont battus. Et même Joseph Kabila. Pas Joseph Kabila, surtout pas lui, il ne faut pas le citer. C'est des gens qui se sont battus dans ce pays pour le changement que nous avons aujourd'hui. Et si l'un d'eux m'appelle, moi, Tiani, ou l'un d'eux, moi, je communique. Le message de Martin Fayoulou, il y a le 30 décembre. Exclusivité, Zaginim. Vrai journal, tu l'as annoncé, exclusivité. Tu as dit que c'est un mobile malin journal. On fait les, tu foutes un bon, on l'a vu sur la chaîne pour les cas. Parce que c'est information, parce que c'est Martin Fayoulou qui est quand même un nom, une crédibilité dans ce pays. Très bien, alors il quand faut... il s'agit de Fachi, les consultations, l'Union sacrée, nous soutenons, nous communiquons. Parce que Fachi, nul ne sait, on a oublié que c'est lui qui vient de l'opposition, dont le père, d'ailleurs, le loto a commémoré le Wati Sekedi. Oh, bah, souffrant en beaucoup. Oui, 4 ans déjà. Donc,
Quand tu travailles à Fatih pour l'angaï, ils allaient soumonter. Quand tu travailles à Moïse Katumbi pour l'angaï, ils allaient soumonter. Très bien. Quand tu travailles à Faïl pour l'angaï, ils allaient soumonter. Ils soumontent pour l'angaï. Ils allaient travailler à Kabila. Très bien. Alors, il faut dire que votre génération a vraiment bougé les régimes Kabila. Vous avez bousculé Kabila sérieusement. Il y a vous, il y a Serge Kabongo, les Christian Bossembe. Vous êtes nombreux. Izouba, les Joël Kadé, tous ces aînés. Mike Moukebaï, Daniel Safou, Christelle Wang. Mais depuis l'accession des Fatih au pouvoir, il y a des observateurs qui pensent que vous êtes aujourd'hui divisé. Parmi vous, il y a ceux qui sont devenus proches de la première dame, l'actuelle Denise Nkey, ou il y a d'autres qui sont restés à côté. Alors, est-ce que votre rapprochement de la première dame ne marche-t-il pas sur votre impartialité comme journaliste? Ta question, elle est très bonne, Hervé. Tu dois savoir une chose, et retiens ça en tant que journaliste, tu mentes. Tu mets un terme à ta carrière le jour où tu commences à servir les intérêts des gens. Tant que tu seras derrière la population, toutes les personnes du monde auront besoin de toi. Maman Denise Nyakiro, Félix Tshisekedi, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi. Mais le jour que tu perdras ta crédibilité et tu n'auras pas le peuple que tu défends avec toi, toutes ces personnes ne seront pas avec toi. Parce qu'il y a des gens qui viennent vers toi parce que ces gens-là savent que tu représentes une certaine opinion, une certaine autorité. Il faut être du côté du peuple, toujours. Mais cela n'empêche pas d'appuyer des gens. Comment tu ne peux pas appuyer Denise Nyakiro, qui aujourd'hui investit dans l'avenir des enfants? Pourtant, vous avez décrié cela quand Kabila était encore au pouvoir. Je me rappelle encore d'une émission que vous avez dit. C'était, je crois, Tribune Presse. Christian Bossembe était à la présentation. Vous avez reçu avec Jean-Pierre Kayembe. Oui. Vous avez fustigé le fait que Jean-Pierre Kayembe puisse se déplacer jusqu'à Kinshasa pour aller prendre les riz. Mais on a vu la première dame les faire aussi cette année. Et puis Terre Tennis serré aussi parmi les bénéficiaires. Il semble que tout rose qui est monté. Vraiment, les bisous qui sont vraiment. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Ce qui me donne c'est la communication. Aïe, Moïse Katumbi, Peter Atien, il y a un zone à la Congo, à Kinshasa. Mais là, ça n'a pas ça, la communication. Bon, Batoubébi, Moïse Katumbi, tout n'a toujours, c'est quoi? Je dois quoi? Je te dois quoi? Pour que tu me fasses le travail. Et c'est parmi les rares personnes qui payent normalement, qui savent entretenir les gens dans la vie. Moïse Katumbi fait partie. Donc, il y a Moussé Gaté Batoubébi, Djalé Lunatiki, Nagoba Fing. Son maman Denise Nyakiro. Et ça m'a comme un ballon sauté. Il semble que vous êtes touché la poche naïre. Ah, hein? Oui, oui, on vous accuse comme ça. Mais pourtant, ce que Maman Denise vous, a quitté. Christian Bossembe, Serge Kabongo. C'est ce qu'on a le balabat. Ce que Maman Denise a quitté, activité, bah, la presse, vrai journal Azatin. Est-ce que le vrai journal Azatin, l'activité Maman Denise n'a quitté Congo Bez, Bino, et que vous êtes. Il y a un monde comme ça, à Bissopé. Maman Soumon, le balabat TV, Zaté. Et ça, le bateau. Et puis que le nom de la TV, ce bateau Finga. Régime Fatih, parce que je vais protéger le régime Fatih. Bon, on finit avec ça, c'est n'est-ce pas bien le loto de la vérité. Ce qui va finir avec la TV. Mais vous avez groupe WhatsApp, vous avez l'Ushima Junior. Ce qui va finir avec la TV pour la Fatih, c'est que Christian Bossembe. Qu'est-ce que Christian Bossembe ne fait pas? Mais je vais vous dire la présidence, la presse. Congo Bez, il y a Christian Bossembe. Quand le président de la République, il y a une minute, il y a un mausolée. Presse présidentielle, il y a Christian Bossembe. Tant que Maman Denise a quitté le terrain, la presse, Congo Bèze, Bozalarate, vrai journal, Tozalarate. Alors, comment expliquez-vous aujourd'hui ces paradoxes? Au sein de l'opinion, on vous voit très proche de la première dame, mais dans la réalité, c'est autre chose. On a un problème dans notre pays, Zaki. Ce qui est que mon avis, photo, vous avez une Maman Denise, et un collé Bino et l'autre. Cette maman a financé le congrès de l'UNPC. Paix à son âme, Kasonga Chilombe. Un congrès qui est plutôt son financement qui a encore divisé davantage la corporation. Le congrès a fait en sorte que nous puissions élire nos dirigeants. 4 ans au Tovandaga sans dirigeants. L'histoire retiendra que c'est Denise Nyakiro Tshisekedi qui a sorti de l'argent pour nous, la presse, pour qu'on s'organise. Le dire, ils ont déjà l'élo. Tu vas y bingaï. Comme ça, le long de Denise. Finalement, la femme t'a même. La femme, tu sais, Moïse, pas de bailler, le long de Moïse.
Et moi, je suis à Moïse, je suis à Denise. Je suis à Finalement. Non, partout, partout. Finalement. T'es vérité, toi, pour la vérité, maquillage, t'es. Régime a fait que tu sais qu'il y a un bon, puis t'es un sénateur. Et t'as un nom. Dans la présidence, t'es. Presse présidentielle, tu vas lire un bon, tu vas lire. Depuis Félix Tshisekedi est président de la République, je l'ai rencontré une fois, nous avons parlé, je lui ai dit ce que lors des consultations. Devais, et il m'a promis, il a réalisé ses promesses. Des consultations où on a d'ailleurs très mal payé les journalistes. Ça je sais pas, Kassim Atmazou, je represte. Ah, et puis, vraiment, tout le balance qu'on fait, la bonne. Est-ce que vraiment, battre le balance qu'on fait, combat ou le habits sauté. Non, ça la bolo. Non, ça la bolo. Plusieurs fois agressé. Pour la régime, nous on a souffert dans ce pays. Si aujourd'hui Félix Tshisekedi doit travailler avec des gens dans la presse, il faut travailler à l'abisson. Moi j'ai vu Rossi Moukine. Et pourquoi il ne le fait pas? Moi j'ai vu Thérèse Kapangala. Je suis en contact permanent avec la famille des victimes. Les gens qui sont tombés dans la siège des presse calcinés. Je suis en contact avec ces familles. Il y a une maman qui, jusqu'à aujourd'hui, est à Makala. Le président de la République, Fatal la Sima. C'est-à-dire les gens qui disent que toujours il y a un bon à Fachi, toujours un bon à Maman Denise, sont des bénédictions parce que ça vient d'un dimien. Monsieur le président de la République, pouvoir na yo, et ça pouvoir y a un martyr. Au comment on a pour battre Bakoufa, Kabila peut se pouvoir. Mais les mots qu'on a bu sont des bêtes et des moutous qui ont un trouble. Oh, les gens sont morts. Force commune. Kamonantzapou, dans la rue. Moi j'ai vu des gens. Là, moi je suis tombé na comment on dit na marche à Souka oyo il fait kokuna côté ba je kokuna na terrasse soda ina mundu ki atali eh pitié tiens tellement bato bazona ba kagoul baza sans pitié nous amona mboka longwa je suis avec un ami Christian Belambela et ko simbanga boy na kata terrasse j'étais déjà non mort ngana kota boloko batinda muta poignardenga muyambo témoin Franck Diongo témoin. Si vous êtes vivant, vous êtes sur la TV, vous êtes sur la Nzambe. Il y a eu un esprit qui était en nous. Qui te dit que moi je serai vivant aujourd'hui? Qui te dit que je serai vivant? Quand les gens nous insultent, mais mon rêve c'est que l'union sacrée, que Félix Tshisekedi a un bateau, il y a un changement. Il faut que tu te dises que tu es un moi, je suis que photo na yena Kabila la bien na kupasola ngo ngatiani et pour les Israël muto mon émission na linga ki na pasola ngo bato ba yebinga bebe na yena na bien na TV mabangani kasho tu ya Kabila na côté bon sou Félix na bon état des droits. Très bien, on va parler actualité. C'est pour te dire que union sacrée yo bato ba kota Bemba Katumbi Tshisekedi bon travailler souci na ngasaka ke Martin Fayulu azate mukwe ya kota bon travailler église catholique ya toza la posa le lomu tumoka bima eroté. Tout ça, la poste va venir à bus échanger. Des ans, la FCC va venir à bus échanger. Les autres, tout ça, c'est Zan de Bakangi. Tout ça, c'est une union sacrée, union sacrée. 30 000 familles. Et Bakangi Zan de Waza aujourd'hui, l'union sacrée. Il est protégé. C'est pour te dire que Bouzobat. Pouvoir, Félix, c'est ça, pouvoir le peuple d'abord. Attends, on lui dit que Zan de la salité. Mais avant, il y a un bateau. Il y a un bateau. Disposition de besoin de bateau et ba maman yo ba yé sa rabana batinda rabana na classe ba défi ba mon na ba finca na ba banque belé faut ba zongi ça. Une mère vient de faire une crise à la tchango parce que banque moque ça les pressions bon aux qui le lazate où est Chantini Kobila? Les gens ne voient pas Chantini Kobila, ils vont voir Félix en 2023. C'est le pouvoir de Félix Tshisekedi coroné en amboko 21 ans photo quand on va parler tout le match n'a pas si. Pas de courant. Mais si quoi yo, dimanche, bah dans l'église, parce que des codim quoi ça là. Bah t'as mis toujours qu'une église. Bah politicien, parce que ça là, l'Assemblée nationale, parce qu'on a pas voté. La Sénat, parce que la session. Mais bah dans l'église, parce que classe. Bah bah les enfants, bah boit les enfants, bah t'es les enfants. Mais quand bah dans l'église, on ne va pas t'engager à venir bah les apes. Tout ça c'est dans le chef d'équipe, le Félix Tshisekedi. Le dire, ce n'est pas être Félix contre Félix Tshisekedi, c'est être. Au moins ce qu'on a vu, c'est ok. Mon colo a changé vérité la mensonge. Très bien, on va parler. Il ne faut pas le rappeler sur ça. Azaramuta Moïse, Azaramuta Félix, il ne faut pas le faire. Mais quand il y a la vérité, dans ce métier que tu fais, la vérité est sacrée. Très bien. Je ne passerai jamais à la télévision dire que ah ouais, Moïse Katumbi a sali rouge, on a dit que Moïse Katumbi a sali bleu. Dans ce domaine, Moïse Katumbi,
Ah, Denis Nyakiro a sali rouge, mais il a sali vert. Initiative de Denis Nyakiro, il y a une de bande à la poto. Il faut que l'on mette beaucoup. Bon, on a besoin de l'ingé qu'on critique nuance. Il y a au Kaboula Loso. Ce que ça, bon, ce que ça, ma confrère journaliste, est-ce que Abed Achour a tindé la poto à Loso? Abed Achour, oui. Jérémy, il y a quoi c'est? Abed Achour a tindé la poto à Loso. Abed Achour a tindé la poto à Loso. Comment on a Peter Tiani Malem, DG à vrai journal? Collaborateur à Fatih Beton, collaborateur à Moïse Katumbi Charman, collaborateur à Denis Nyakiro, collaborateur à Martin Fayoul. Dupe, responsable d'un média, 18 personnes. Sans arriérer des salaires comme chez Mozito. À vérifier. Sans arriérer des salaires à comme vérifier, chez Mozito. À vérifier. Ah, tiens, on a TV, donc faut la foutre à ban là-bas. Très bien, on va parler d'actualité. Tu as 10 000 francs, mais faut la foutre à ban là-bas tout. Bon, ça, la moussa là. Très bien, on va parler. Donc, première dame sans talangai dans le projet mon première dame on a pour ça matériel et belé sur moi 50 000 les aigles salanga bien sur ça pour ça la première dame en direct cette maman aide beaucoup dans un projet aussi en 50 000 ça vous allez les faire en aparté t'es yo le nom de l'osso au lieu l'osso tu connais si on a y est on a l'osso parce que yo le nom de l'osso on a ici non mon 50 000 dollars pour la dans le projet TV non est serré Congo. Jean-Marie Gassambako Sabiso. Comment ça? Quel est 50 Congo, non est serré Mita. Jean-Marie Sabiso matériel est bien. Président UNPC Kinshasa que j'ai salué en passant. Mais au cours Sabiso la TV, TV à propagande. Il y a bilo tu tu là jamais. Bonjour mon ambo que ça m'a bien mais Jean-Marie Sabiso c'est bilo mboko ça bien. TV serré Mana Congo té. Un jour il va avoir une télévision dans ce pays. Très bien. Le jour Koyoka. Peter Etienne Bandi TV. Mon colonel lancé vrai journal. Personne n'a cru en moi. J'ai dit personne n'a cru en moi. Non, mais bien la TV. On te prenait sur la chaîne dans la ligne au Soutekin. J'ai dit, je vais lancer un journal télévisé où il faut qu'on dise la vérité. La bien après la rédaction. Le lot vérité, c'est Wapi. Wapi ma bé, Wapi bala, boloba. Mouta moutoua, azate. Quand tu fais ton travail, c'est un conseil que je te donne et pour la vie. Reste du côté de la vérité. Ne sois pas neutre. La neutralité est une lâcheté. Il faut être du côté de la vérité. Très bien, on va parler d'actualité. On va aller du côté de l'Assemblée nationale. Élection du bureau définitif, c'est prévu pour ce 3 février. Je vous ai entendu ici parler du changement. Je vous ai entendu ici dire que Félix Tshisekedi doit travailler pour les changements. Mais comment Félix doit travailler pour les changements lorsque son parti politique aligne pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale quelqu'un qui a été déjà destitué pour incompétence, je cite Jean-Marc Aboun. Comment avez-vous apprécié les choix portés sur Jean-Marc Aboun pour revenir encore ou réoccuper ses fonctions de premier vice-président de l'Assemblée nationale? Moi, je pensais que tu allais me dire comment on a aligné Mbosso, qui est un dissident du FCC. Je préfère qu'on puisse commencer d'abord par Kabound. Jean-Marc Aboun a été de beaucoup de fronts. Ce qui est vrai, dans l'optique, il y a qu'on nargué FCC. Kabound, vice-président, a zongé ça bien. Dans l'optique, on nargué FCC. Pourquoi? Ça, c'est dans un cadre purement politique. Oui, pourquoi? Parce que Kabound, babengana yende timbua wana. Pour la nini. Président de la République a sali histoire, devoir de mémoire. Yango zoro makamo yango. Président sali meeting à l'Oumakambo, encore menacé à destituer. Tout le monde a ma bunda, parce qu'on a la tambo mouamba, qu'on menace le président de la République. Blablabla. C'est sûr extraordinaire comme on regarde. Dès qu'à bunda, il y a non, c'est sûr extraordinaire, ça n'a pas été. Il faut dépenser 7 millions de dollars. Na beti kabou, ma bunda, na tambo mouamba. Oh, tire le hasard. Tire le hasard, tout ça, la nini ka wana tambo mouamba. Bref, tu vois, na kanda wana, FCC, a bien y a à répondre, biso, tous opinions. Au Kabound, il faut répondre pour défendre Fatih. Et comme ils sont majoritaires, moi j'étais à l'Assemblée nationale, ils ont humilié Kabound. Ils ont humilié Kabound. Par mon ordre, ils l'ont chassé de l'Assemblée nationale. Humilié. Mais la roue tourne. Voilà place où on a côté la FCCP. Mokili Mbanga Ntaba. Oh Hervé. Mokili Atatan Zambé Babete la Katolote. Eh, l'Assemblée nationale, là-bas, Mabound. Il y a pas moto, il y a pas d'undo à zali avant. C'est comme le nain. Minaku. Aventurier. T'as le pouvoir. T'as la bille moto à zali avant 27. Ah, merci aventurier. Mon pouvoir est éternel. Mon ministre, il y a justice.
Les gens n'ont pas vu Célestin Tounda. Célestin Tounda. Mina quoi est bon les bosso pas péger bon là l'entrée bon l'équilibre qu'a policier bissé au rocota te mina quoi zongi sima na bata peut perdre bazonga sima le pouvoir tombe quand Dieu dit non et Shadar il crie on ne peut pas nous intimider aveu d'impuissance vous êtes déjà intimidé parce que Shadar il faut justifier un bon et bel azoir il y a campagne à salaté pour là les loyaux Kabunda zongi on a pour dire au FCC qui avait humilié Kabunda monnaie de la pièce. Bon, longola qui est wana pour blesser, c'est pour ça ma casse. Non, bah longola qui est pas incompétent. T'es incompétent pour le bal, on va 7 millions. Allons-y sur le fond. Pourquoi on a mis Kabound dehors? Même si ma vie est belle, on a Kabound toujours partagé. Bleu est belle, on a Kabound, on a ça d'accord. Mais bah longola Kabound, on a parce que Kabound a été mis la rabango. Est-ce que bah on trouve ça la session extraordinaire, t'es posé à 7 millions de dollars. Bah Zukop, Mabunda, Nemi. Bah coopérer allez, mot d'ordre, toujours humilié. Ah, les lots sucrés au pays. Kabunda comme une ennemie de l'autre à côté. Parce que toujours c'est la bonne la monnaie de leur pièce. Kabunda toujours. Politiquement c'est bien. Politique. Et puis bah tu verras bah c'est pas la tenue. Hymne national la IDP c'est bêta. Bah même on a. On a parlé du peuple. Parlé du peuple jour président. Ah quand l'investiture y a bah juge. Y a bah juge j'étais là. C'est vrai que nakati tout moni hymne parti bêta salut bientôt. Mais j'ai eu de larmes aux yeux ces jours-là. Pourquoi ? Prise de la Bastille. Au cœur de l'Assemblée nationale, du palais du peuple. Tu sais qu'il est en train de renaître. Fati azo balo bagala zam ta fati. Non maman. Ah mon limon ngelo ba. Fati azo kota zo mabo mi balatie bo victoire. Les jours que je l'ai rencontré, je lui ai dit monsieur le président de la République, quand vous avez fait victoire là, ce n'était pas vous. C'était un changement, c'est l'esprit du Sphinx en vous. Les changements avec les mêmes personnes, Mboso. Ces esprits doivent nous guider pour qu'on avance, qu'on n'ait pas peur. Tu sais qu'il disait, enlever la peur. Tu sais qu'il disait, quand tu demeures dans la vérité, continue. Ouais, koya ya. Vérité le lezang, tu n'en as pas si, monsieur le président. Bah ta FCC baye, il faut tous en avoir maïd. Tu sais que ça m'bosse, plus on a, tu sais que ça m'bosse, tant mieux. Mais, et qu'est-ce que fait l'homme? M'bosse tout le monde à la mine. Est-ce que bateau y a pas ça? Est-ce que bateau va changer? Tout va changer. Kabunda plein la problème t'as un vice président pour oui faut garder du temple mon gars Kabunda bundé l'Assemblée nationale tant que tout le monde bateau peut perdre par contre il n'a pas manchette on a vu Kabunda sortir menacer même un officier de la police pour être bataille UDPS Bakota bataille Vumbal parce que ma belle Kota qui parce que au secrétaire c'est la secrétaire générale il lui fallu qu'il y ait un Kabunda pour que bataille peut perdre par contre à l'Assemblée nationale parce que bataille Tomboka ma belle. Il fallait qu'Abunda Zalana soit Zalana Angola. Mais si Koyo, il est au Salama Beza, il faut qu'on évite le triomphalisme. Ensemble à Zalaki, MLC à Zalaki, Bahati à Zalaki, il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on évite que Ngaï, Binote, Mabende déplace les autres à Angola. Place chef de l'État, il faut gérer, il faut équilibrer. Il y a une union sacrée à Yokani. Il y a un bon se fasse un président, Tike Pesami. Nous qui croyons. Alors pourquoi les choix y a Mboso d'abord? Il y a Liaou qui était pressenti candidat FCC président. FCC majoritaire. Liaou tu peux connaître. Eh bien bon. Liaou était pressenti candidat. On a jugé que entre Liaou et Mboso peut-être le poids de l'âge, vieux, politiquement, routinier, un ancien mobutiste. On a vu aussi comment il a géré les plénières. Hein. C'est comme si Fatih avait besoin d'une personne qui était moins encombrante. Bon, Liaou a rosalé en combattant. Peut-être. T'es. Mon île est loyo. On t'a justifié bilan en 2023 comme on est Félix Tshisekedi. Il doit tout faire pour qu'il puisse bien justifier son bilan. Parce que nous sommes tous salariés résolus. Bah, nommé Batumban, nous sommes tous les latos Lia. Tous les latos Mélanie, nous sommes en Mouema. Nous, dès que nous sommes pour l'Angola, déjà que l'Assemblée nationale, il fallait être long. On a besoin que le président Tshabatou, le gouvernement, va changer nos vies à Congolais. Et Kembaye Makasi. Mais tu vas continuer à souffrir dans l'Est. Le lobby saute, tu es là, Kabila. Discours est compliqué pour l'île. Pour l'Est, tu vas continuer à couper.
C'était sous l'impulsion de Joseph Kabila hier. Donc c'est sous l'impulsion de Félix Tshisekedi aujourd'hui. Donc ça doit changer. Parce que le ministre de la Défense, armée, il y a Makasi. Il y a un peu de Congolais qui ont ceux qui ont rendu les gens qui ont été sur le bazar à Kinshasa, ils ont été en train de continuer à faire des points. Ils ont été en train de faire des points. Ils ont été en train de faire des points. Avant Longa, il faut pas déjà Snell. Avant Longa, il faut pas qu'il y ait. Venez à tout le monde dans la roue, PCA. Il faut pas qu'il y ait. Il faut pas qu'il y ait. D'abord, ils n'ont même pas honte de nous emmener des factures. Avec beaucoup de menaces. Botine de la rabattre courante, botine de la rabattre maille à chocolat et à salité. Mais pour rien de ma facture, et besoin de coca, tu vas courir la bande. Pourquoi pour te battre la bisotée? Pour te battre la bisotée, ça va te mousser. A quoi y a pas de le policier est en retard. Bah, pareil, sur courrier, ils ont bon, mais ça va pareil, on va parler. Snell, n'est-ce pas que Don Dieu va canner la guifache. Pas maintenant que vous êtes là comme président, pour pas saler maman en compte de bosser là, on a. Il y a la sens à ta moquette. Que l'ingé changé. Dire ça, ce n'est pas être Félix Tshisekedi. La vie ne va pas. Ça ne va pas. Alors, nous souffrons. Mais c'est le président de la République congolaise au Kemba. Tu as un militaire de l'Amba au marché. Prime militaire, ça va combien? Parce que tu as un jour, on a une TMB 160 000 francs. Enseignant, gratuité d'enseignement, ça bat de l'aile. 62 milliards de dollars, c'est copé de francs congolais. IGF a autour de 62 milliards de dollars. IGF vient de dire 62 milliards de dollars de francs congolais. Enseignement 285 millions pour qu'on a l'onde. La monnaie matata zo pop mouka zo pop. Mais la monnaie, ba matata zo groupe pas groupe pas journaliste et moro. Bah, ma sanaïo. T'es n'a l'enlevé pas ça. Journaliste était mais t'as coûté parce que parmi bango il y en a un pour qui j'ai vraiment beaucoup d'estime. Yango n'a l'obagi n'a l'enlevé pas qu'on fasse. C'est pas quand même normal. Mais matata a t'a aussi justifié 205 millions de dollars et au monde en a terre. IGF, il y a 285 et Bimaki, 205 et moi. Élection, il y a bureau définitif. Baza quoi accusé aujourd'hui, président de la République, UDPS, il y a quoi torpiller démocratie parlementaire. Tu es dans l'Assemblée nationale, tu es député, il y a parti Moko, même regroupement, mais Baza aujourd'hui divisé. Ndambu, la opposition, Ndambu, la majorité. Je vais prendre un exemple de député à PPRD, Baliaou, Guy Mafuta, en même temps. Bazan n'a pouvoir et puis en même temps, le député Moussoukara a PPRD, Bazan est estampillé dans l'opposition. Et on accuse aujourd'hui l'UDPS et les présidents de la République de tuer à petit feu la démocratie parlementaire. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, il faut dire qu'il y a quand même une boulimie au sein de l'Assemblée nationale. Mais moi, je suis quand même un peu perdu hein, de ce qui se passe. C'est par rapport à l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui avait estimé que le député a s'engagé Yemoko. En tout cas, arrêt on a un juriste était. Il faut que le prof Mbata, que le variste Bouchab, explique bien, mais et c'est moi, je suis un peu trop. Le lot, ça dit moi, au moins la PPRD, tu as PPRD, tu as la majorité. Dans la opposition. En tout cas, on a tout parti, moi. On a envoyé ça sincèrement, que je suis un peu perdu. Parce que je crois que ce sont des regroupements. Soit PPRD et l'Assemblée nationale, soit PPRD et les bandes, mais au moins, et c'est quand même un peu. Parce que les lots sont à titre individuel, on a décidé que à cause de l'union sacrée. C'est à cause de ça que PPRD est. À cause de ça que Longon ne peut perdre. Or, règlement intérieur, le but de ça, Longon a parti. On perd des mandats. Parce que moi-même, dans ma candidature, si on a eu un candidat, exclure les candidats, il faut recouvrement. Il faut recouvrement. La Kokonyang, il va Longon, il va coller. Laissez-le. Il n'a pas perdu. Au moins, il a perdu la lucidité. Donc, je vais vous prendre ma cambo et la clarté. Place, on a une minute. Il faut que tu aies un juriste avec ce que tu as. Si on a une question, 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 une occasion, à tirer sur Kabila sérieusement. Mais là, aujourd'hui, parce que c'est Félix au pouvoir, Peter Tiani, très tendre. Non, c'est le même je ne comprends pas. C'est la Cour constitutionnelle à Bimissi Arrêt. Du temps de Kabila, tout s'est répondu sur la tête de Kabila. Du temps de Kabila, Arrêt Bima, Kabila, qu'on nommait gouverneur. Ton loba la TV, à nommé Kaka. Si quoi peut courir à rendre et permettre vagabondage politique. Moi, je que le loup batte le bagage. Soit c'est le loup à ma bé, mais aussi le Kabila passe à la Kiango, mais c'est pas tout ça. On est d'accord. Kabila, c'est le mal au Congo. Kabila a bousillé nos vies. Et moi, je suis d'accord que Félix ne pouvait pas changer le pays en 2-3 ans. Il lui faut 5 ans. S'il arrive à faire quelque chose de bien, en 2023, tout le monde. Moi, tout le monde déjà sauf Félix, tout le monde dit que moi, maille comme moi. Moi, courant, a-t-il changé bien? Mais tout le monde a lueur d'espoir. Congolais ont changé. Moi, les Congolais ont changé.
alianeka bien mon so atondi asala mo mpia ko beta tona ko betine mo lorne mo moko mo ne bi nanchika okene kimya ke classe rozonga so mo na usu problème maladie ako tina mo na mo hôpital kongola so pc bon et puis bayer na palé asala mo mpé na kongola c'est rebel tout do senga ba building non té tout ça tout ça capable on peut ça mo tu sais que mouton c'est nga 500 francs ba 100 francs ko bazali ok reportage mouton c'est mo maman Otali maman nous na mutuno yimo so beta machine asala mo na mukombo 500 francs akosa nango et mo na c'est ça paradoxe nous avons des gens qui sont hyper riches et des gens qui manquent même quelque chose à mettre sous la dent des gens dont les chiens sont plus importants que nous bambwa na bango baza mieux traité que ba sentinelle na ba chauffeur na bango kilo asombela mbwa vétérinaire wa foutre mbwa pour la vétérinaire a foutre vétérinaire pour la mbwa na ye Otali budget on a au sang fois 4 fois 5 chauffeur na ye muntu asala kapa na ye a traité na sec le mbwa na ye moni batu ba gérer biso batu bongo Et on est obligé de tenir rupture. Pour moi, on a monté à 12 kilos. On a passé 4 bergers. Mais rupture en moto, on a un budget mensuel et en bois. C'est 2 400 $. Ma faute, il y a 50 $, 80 $ chez eux. Et pour moi, 80 $, on a monté à 4 $, 2 $, 3 $. Esprit, ma belle, quand on a monté. Alors, on a la rupture, mais. C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que dans la vie, le lot, on a vraiment un réel besoin de changement. Et ba kongole bolimbi sanga tamso bo finga ngai bo finga ngana bo finga ngana bo si so finga nga je ne ferai pas l'opposition à Félix comme je l'ai fait à Kabila moi Tiani c'est impossible que les Congolais prennent ça oui c'est deux poids deux mesures alors Félix aza muto yo to bundi na ye to zoki na ye ngana za na kati ya boloko ya Kabila Félix a aussi un point de presse na S na Vital Kamerhe ba zo somme Kabila bimisanga Félix a zamona ya Tshisekedi. Kabila pas zamona Kabila. Félix a zamona ya Tshisekedi. Wala yom tolebi. Wala yom tolebi. Zomé mangana sije. Oyoza letto. Yo zana ba preuve ba attestation ba certificat de naissance ki zamona Kabila. Wala yom tolebi. Félix Tshisekedi a zamona ya Étienne Tshisekedi wa Mulumba. La deuxième rue to yebi nzela. Pour ça, je ne peux pas être frontal à Félix comme je le serai à Kabila. Félix est un digne fils de ce pays. En Félix, tu sens quand même que tu as moi dans mon cas. Au-delà de tout, tu as senti que maman qui ne m'a pas Félix, c'est ça. Et ça qui t'a allé l'auteur, Kabila a l'ingra batou thé. Avant de la batou bien thé. Il faut le faire. Mais Kabila, c'est que sur tout le temps, même coupé, ça va tout mouter. Mais regarde, Félix, c'est mon deux fois thé. Mais ça, il ne sait pas mener Kabila à tes œufs, timide. Kabila, ça dit combien de temps dans mon cas, tu as l'ingra là, et que le problème. Est-ce que nous avons de la valeur dans le régime Kabila dans ce pays? Les locaux tout bateau sur le peuple d'abord. Namboko yo, car les Congolais n'ont pas la valeur. Chinois, Libanais, Ouest Africain, Moutounios, sont aussi problème naïe. Bah, les soldats ouais, Robert Andeyo film. Ce qui est embêté, les locaux tient monaco. Les locaux moins tient monaco. Kabila nous avait sosifié au point que on nous a même chassé jusqu'à Brazza. Qu'est-ce que nous manquons pour aller chercher à Brazza? T'as vu les images? On a traité nos filles et nos mamans de putes. Ma bengala bangona bichawa. Ya mamingi. Ça, c'est sous Kabila. On nous a jeté dans les fosses communes. Sous Kabila. On s'est dit que nous avons dit que le téléphone a continué à WhatsApp pour la photo à Kabila Bakangio. Oh! Bah, il faut laisser. Un monsieur comme ça, dans ma tête, il n'existe pas. Jusqu'au dernier jour de ma vie, il n'existera pas. Félix, tu sais qu'il y a pour le pouvoir. Je peux dire. On a ça contre Félix. Non, tu le bac est courant exactement, exactement. Mais quand ça l'opposition à Félix, nous ne savons pas Kabila, on ne sait en haute, n'a qu'on sait en haute. Très bien. Alors, le Congolais Bayoka, Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba. Moïse Katumbi. On sait l'opposition à Bango, n'est pas nous savons pas Kabila, n'a qu'on sait en haute. Échec na Bango 4 échecs nanga. Moïse Katumbi. Et ça combat et battu sur changement. Même Moïse Katumbi qui a contribué à l'échec à Kabila. Moïse Katumbi a sa seul gouverneur. Bonne question. Parce que toi, au lieu de te poser question, maintenant, on est au Loba. Il a contribué à l'échec de Kabila. J'ai même reçu un appel une fois, il y a Moutoumou en Lubumbashi. Mais j'entends souvent Moïse Katumbi na Kinshasa pour Vantakaye, meilleur gouverneur, bon gestionnaire. Mais ici, on a Lubumbashi, tu es belor malonga. Parce que Moïse Katumbi me remis par rapport à nous. Je vais te donner un cadeau. Chers téléspectateurs, on paie ces cadeaux dans 48 heures. Parce que je vais dire quelque chose. Merci d'avance. Ta question me demande de dire quelque chose. Très bien. La bannière a passé, mais le roi a chuté le monde.
parce que ta question est pour une mission dans l'exemple pas langage. Merci. Parce que tu touches quand même le corps sensible. Lorsque Moïse Katumbi travaillait avec Kabila, il est le seul gouverneur au Vital Kamerhe Lobaki. Que ma gouverneur n'y a sur le Congo, soit bien que la gestion, pour qu'il y ait un Katanga. Tant Moïse Katumbi est gouverneur à Katanga, ce que j'ai engagé Moutou, salaire n'est pas à $100. Ce que j'ai travaillé, à chaque fin du mois, ça qu'a fait n'est pas à l'année. Authentique pose la question. Moi, je n'ai jamais été un katumbiste. Non. Moi, je suivais à la télévision, les gens glorifiaient Moïse Katumbi. Les gens de Kabila. Le jour qu'il a quitté Kabila, dans l'opulence, ils étaient plusieurs gouverneurs, dont certains sont venus aujourd'hui à l'Union Sacrée. Il est parti seul. Il a payé de sa vie. Il a même fait l'exil. Moïse a perdu des gens. Peut-être que les gens ne savent pas aujourd'hui. Mais il semble que Moïse s'est séparé de Kabila. Ce n'était pas pour des raisons liées au social des Congolais, mais c'était un problème privé entre Katumbi et Kabila. Bon, si un problème d'argent, semblait-il. Tu sais quand on a eu ce qu'on a pour quand on a eu quand même le soleil belé. Très bien. J'ai fréquenté quand même l'entourage de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi est parti quand Kabila a dit qu'il devait faire un troisième mandat. Tous les Katangais étaient au courant. Quand Moïse Katumbi a eu cette information, il a dit, il a commencé à convaincre les leaders katangais de faire bloc contre ça. Parce que lui aussi nourrissait les ambitions des brigués. Et Katumba. Un mandat à la présidence. Bon, avoir des ambitions n'est pas mauvais. Mais Kabila a écarté. Les loups, comme au Katangais, mais qui a écarté les Katangais pour être président? Mais je vais y revenir. Et les Katangais se sont opposés. Moutounio, c'est Ebisa Moïse Kabila qui est causé la candidate. Kabila tient de côté. Moïse est parti, il en a vécu de toutes les couleurs. Ce que questionne l'on a gagné le basico yango. Bande de corrompus, à beau fin engagé. Nazaka Katumbi c'était beau fin engagé. Mais je veux le dire, ça vient de mon cœur. Syndicat de Kolo est mort. Je ne lui ai jamais rendu hommage. Pourquoi? De son vivant. Parce que dans notre vie, Tondima Batuka a sobakoufi. C'est un meilleur ami à moi, Syndicat de Kolo. Un millionnaire. Hein? Mais Master Nangaï, Mutunangaï, Tolière Nangaï, tout ça, Soka Zana Kinshasa, Nazanaï, Syndicat de Rolo Mutunanga, Nagouang en été, donc, Bao Bayebi, Bayebi, Tito Keba Congo, Belgodo, ça passe à terre. Mon caméraman, notre Kenane Bakonga, Roloba, Syndicat de Rolo laisse tout le monde dehors, moi je suis avec lui dans la maison, 2-3 heures du temps, de tout et de rien on parle. Je n'ai pas enterré Syndicat de Rolo jusqu'à aujourd'hui. Je te parle avec mon cœur. Quand je regarde une photo, j'ai les numéros de Syndicat de Kolo dans mon téléphone jusqu'à aujourd'hui. J'ai du mal à l'effacer. Il est malheureusement mort. Les funérailles sont faites pour les vivants, pas pour les morts. C'est un moyen pour les vivants d'exprimer leur chagrin. Je ne lui ai pas rendu hommage quand il était en vie. Je ne lui ai pas remercié de ce qu'il avait fait. Aujourd'hui, même si je le dis, il ne va pas m'entendre. Mais que là où il est, qu'il m'entende, que je respecte son combat. Pareil pour le vénérable Pierre Lumbi, que je fréquenter. Pierre Lumbi et Syndicat m'ont dit une chose, Peter. Si tu te battras sur cette terre, bats-toi pour une chose. Émergence y a beaucoup entre les leaders politiques, notamment Félix Tshisekedi, na Moïse Katumbi. J'étais avec Eliezer le jour que Syndicat disait que Fatia Ndimi Moïse Azonga. Il y a un changement qui va se faire parce que Moïse est un allié de taille. Unité n'a rien à Félix Tshisekedi, des actes graves. Mon témoin s'appelle Eliezer Tambo. Je vais parler à Moïse Katumbi maintenant. Très bien. Parce qu'il est en vie. Rapidement, parce que l'émission touche déjà à la fin. Donne-moi même 3 minutes, c'est bon. Problème est atteint. Bandego Bofing en Anaza Katumbiste. Bofing en Anaza Tshisekediste. La vie est faite comme ça. Monsieur le président Moïse Katumbi, dans cette vie sur cette terre, Batuba a développé intérêt Makasi. Et ça, c'est comme un par intérêt. Mais s'il est quelqu'un parmi les acteurs politiques de ce pays, de mon pays, qui font beaucoup, beaucoup qui ne veulent même pas que ce soit diffusé pour le bien du Congolais, Moïse Katumbi figure. J'ai diffusé l'image d'une dame qui avait un problème de sein. Le président Moïse Katumbi m'a appelé. J'ai intervenu pour cette dame. Il a envoyé de l'argent. Beaucoup d'argent. On lui a fait l'opération.
dans un des hôpitaux ici, très cher. C'est fini. Il a trouvé un endroit à famille à Bafanda. Après, Batoubeko Monanga y basa la Kiri Moïse Katumbi pour un acte on a voté Moïse Katumbi. Tu sais ce qu'il m'a dit? Lorsque tu fais un bien, attends que Dieu te rembourse. C'est pas pour des besoins électoralistes. Moïse Katumbi a sorti plusieurs mamans dans les hôpitaux. À Massina, à la Tchangou, à... Il fait ça après, il te dit, Peter, tu gardes des images. Pour que tu diffuses une image comme ça, vous devez... Il faut que ça la débatte. Si Salomon Escadel a le spécial, il faut convaincre. Il m'a dit à moi, tiens, à moi. Bandego Bozo Fingangai, Moïse Katumbi et Psangai. J'ai tout. Quand je dis tout, ça veut dire que je n'ai rien. Je n'ai pas tout du monde, mais j'ai le minimum pour vivre en paix. Mais il me reste une chose. L'école. L'école plutôt. Changer la vie du Congolais. Mon nom doit être inscrit dans les annales en changeant la vie du Congolais. Parce que nous pouvons changer la vie de ce Congolais. Il ne l'a pas fait en étant gouverneur du Qatar, il malheureusement. Il me l'a dit à moi. Il me l'a dit à moi. Il devrait commencer d'abord par là. Il est en vie. Je n'attends pas qu'il meure, il est en vie. Ce que je dis, ce n'est pas préparé. Notre émission n'est pas préparée. Très bien. Tu m'as appelé, je suis venu, je n'ai rien préparé. Et puis je ne dis pas ça pour attendre quelque chose après. Mais je peux te dire que de ces acteurs politiques, ces acteurs politiques que tu vois dans notre pays, qui sortent un franc, Matata Ponyo a beaucoup d'argent. Il se chiffre en termes de millions de dollars. Bati Lukwebo a beaucoup d'argent en termes de millions de dollars. Joseph Kabila se chiffre en termes de millions de dollars. Le ministre de Mines, ancien Walungwa, Kabouloulou, il est en termes de millions de dollars. Est-ce que Karabon Bakaba Koka Beza dans Zako Botama Koeba Koka Beza Eza Moutou Eza Makila Koka Beza Oza Lambon et Belete Koka Beza Eloko Eza Nzoto Ndoka Abolam et Rosal Batubolam. Katumbi n'est pas le plus riche du Congo, plus riche que lui, il y en a. Mais pourquoi il se comporte comme ça? Pourquoi tant d'insultes? Pourquoi tant d'insultes? Des fois, je vois cette haine que les gens avouent à un individu qui. Je te dis, mais. Il fait la course au poste, selon Jean-Marc Aboun. Déjà, ma cabouna, c'est bon que ça qui est déjà. Zagé, le monde, Zagé entre députés. Zagé dessiné la presse. Mais c'était vrai. Il y a fouité. C'était vrai. Que Katumbi faisait la course au poste. Pour quelqu'un. Pour quelqu'un qui vit. Pour Moutoulet, Moïse Katumbi, il faut poste d'être. Poste d'être. Trésor pour te payer en termes de 40-50 000 dollars. Kalabou, Kalabou, il faut t'aider combien. Les gens parlent. Les gens parlent. Très bien, on va terminer l'émission. Il y a un autre bombage. Bossembe. Mon ami Israël Moutombo était à Lubumbashi. Je vais t'emmener à Lubumbashi. Kokaba la vie, ils ont un bon et belette. Kokaba est dedans. Kolingaba Congolais. Moïse Katumbi aime le Congolais. Un peu comme Maman Olive. On peut l'insulter, on peut dire tout ce qu'on peut dire sur lui. Cet homme a accepté de laisser le pouvoir pour faire le combat. Nous assister, nous qui étions dans le combat. Nous assister, nous, tous. Katumbi a essuyé des tirs. Le camp Kabila l'a insulté. Il est devenu exilé, apatride. Il a perdu des gens. Oui, tu m'as dit, moi, c'est maman Koufa. Les gens, il y a des gens qui sont morts. Tant de bagages Kabila là, Katumbi, mais les gens sont morts. Les gens sont morts. Et donc, aujourd'hui, cet homme-là, de foi, tu sais qu'il y a Ndimaye, tu sais qu'il y a Etienne. L'émission n'était pas. Vous avez suffisamment répondu. Moïse Katumbi Azoya. Et puis président de la République Fatih, Moïse Katumbi est un homme sincère. Pourquoi cette haine? Moi, na yo grabatou na réseaux sociaux, bazo finga. De fois, ça me fait mal. Parce que moi, j'ai pratiqué les acteurs politiques congolais. Jamais. Katumbi avant de se battre sur Fingatel. Moïse Katumbi a eu des problèmes avec Naloban Osonov, Scoop. Très bien, allez-y. Il a eu des problèmes avec Mike Mukebayi et Daniel Safou. Ah bon? Retournez à Lubumbashi. Vous étiez avec Arnaud Massamba. Toi, si, Tobimi, Tovan de Réunion, Ngaï, Moïse Katumbi, Daniel Safou, Mike Mukebayi. Je crois avec Laurent Nyemba ou pas. Il dit Daniel Safou, Mike Mukebayi, nous allons faire l'opposition à Félix, l'opposition républicaine. Pas d'insultes. La manière dont vous vous attaquez à lui, je ne suis pas d'accord avec vous. Au-delà de tout, n'oubliez pas que c'est notre frère. Authentique.
Nous revenons à Kinshasa. Mike se fâche. Il dit qu'il ne va pas marcher sur ce rythme. Il a même claqué la porte. Après, il est revenu. Mais c'est la vérité, c'est comme ça. Pas d'hypocrisie. Donc, des fois, les gens... Des fois, nous étions en Afrique du Sud. Tu as des personnes pour attaquer Bisso. Je laisse nous couvrir en Afrique du Sud, sortir ensemble pour le changement. Les Français, quand l'on me ils nous ont répliqué. Moïse Katumbi a organisé une réunion comme ça. Il a dit à tout le monde d'ici, voilà quoi, attaquer UDPS à l'ombre à Félix dans la zone de Kinshasa. Non, on a oublié, c'est pas véritable. Celui qui va oser. Très bien. On va terminer cette émission. Au monde, on finga. Des fois, ça dérange. Nous qui voulons l'unité de ce pays, qui ne connaît pas la porte de Moïse Katumbi dans le combat de changement de ce pays? La famille Thérèse Kapangala, Rossi Mukendi Chimanga, Benjamin, je suis allé assister ces familles, envoyées par Moïse Katumbi, avec une somme. En termes de leur combat. Très bien, vous avez compris. C'est tout ça, on m'a dit que Moïse Katumbi. On continue au finger. Mais là, expliquez Batouke, il ne faut pas avouer une haine pour quelqu'un. Même le combat de Martin Fayoum, c'est un combat noble. Batouke, c'est le Bakoloba 8. Batouke, c'est le Bakoloba 8. Si vous pouvez montrer à la quoi, le bin, non. Il faut respecter la vie de. Tout ça, la partie est tâtée. Fayoulou a des gens qui croient en lui. Fayoulou a des gens derrière lui. Et si ces gens-là lui ont dit, n'entre pas dans l'Union sacrée, il a entendu sa base. On ne doit pas lui en vouloir. Mais nous sommes de ceux qui pensent que. Très bien. Congo Otongama, ensemble, Tokende, ensemble, pour te changer via le Congolais. Même Papa Nangangwanda. Papa, ainsi sonne les glas. Nazion Karatetsi, le président par Congwanda, l'Andagaye. Au-delà de critiques, il y a des choses importantes que le président de la PARECO dit dans ses vidéos. J'ai dit importantes en tant que journaliste. Crime organisé en Afrique centrale, dans un livre, on a une repère sous tank. Mais ainsi sont les glanons, nous avons été l'andaillés. En tout cas, je te suggère, le président de la PARECO, Ngwanda, faut le suivre. Il y a beaucoup de choses qu'il dit qui sont très importantes pour le pays. Très bien, on va terminer cette émission. Bon, retournons ensemble. Sortie du prochain gouvernement, nous l'attendons encore. Batu Lukwebo qui est pressenti Premier ministre. Moïse Katumbi qui fait déjà la course au poste selon Jean-Marc Aboud, lui et Jean-Pierre Bemba. Alors finalement, ça va se passer comment? Il y a Batu Lukwebo qui s'est mis déjà dans la position d'informateur du gouvernement. On va réduire la taille du gouvernement. Batu Belete. Alors finalement, comment gérer toutes ces ambitions? Comment gérer tout ça? J'ai appris que le gouvernement déjà a une quarantaine de personnes. À tes 60 personnes. On ne va quand même pas faire un gouvernement de... Bon, allez, l'Union sacrée, combien de députés? 391. On va faire un gouvernement de 391 personnes pour qu'il n'y ait pas de mécontents. Il va toujours avoir des mécontents. Surtout quand vous avez des acteurs politiques, ces gens-là que nous avons ici. Beaucoup d'aventuriers, là, cette génération pourrie. Génération pourrie. Génération pourrie. On a installé la bande de voix de mémoire. Et puis, ça va venir, Moussouba Solissanga sous terre. En tout cas, c'est des rares cas. Tu tires sur Moïse Katumbi. J'ai dit à la télévision que Moïse Katumbi, ça n'a qu'à bila, tu bois qu'il a l'IFEL. J'ai dit ça à la télévision. Et tu as Salomon Escadela qui t'appelle, il y a Seki, c'est ton avis. Ça se passe rarement. Quand j'ai tiré sur Martin Fayoulou, on me prend, je ne peux jamais au téléphone. Quand je tire sur Fatih, il y a des gens qui m'insultent. Ça, c'est pas bien. Nous devons apprendre. Même la vraie journal, c'est au tiringa, au tiringa. Qu'est-ce que tu veux? Démocratie, c'est tout ça. La classe politique là que tu vois, pourrie. Les Mbikai, ils envisagent déjà 2023. Il a lancé les fronts patriotiques 2023. Pourriture. Les Boussa, les Mende. Je te dis, la classe politique congolaise, moi, les Bissot, Tozoya. Bissot. Ceux qui bissent se comporter, car on dit bango, beaucoup d'années à venir. Et c'est là que je vais nous interpeller. Moi inclus dans le lot. Nous, journalistes, attention à une tendance aujourd'hui. Tu connais un journaliste et à Fatih. Le journaliste, il y a première dame. Journaliste à Fatih, la première dame. Voilà, oui, Bosembe, là, comme regardez ce qu'on s'est Fatih, la première dame, Christian Bosembe, et allez, à Royamabe. Ce qu'on s'est Moïse Katumbi, Peter Tena Royamabe. C'est la bimissive Manza qui a la machette. Ce qu'on s'est mis Fayoulou, Yves Bouyaké, à l'autre marteau. Ce qu'on s'est mis Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Kayembe. Jean-Pierre Kayembe. Ce qu'on s'est mis Jean-Pierre Bemba. Serge Kabongabimi. Serge Kabongabimi. N'a Jules Jean-Médard. Nous sommes pourris. Alors nous commençons nous aussi à être pourris.
Je ne dis pas que c'est comme ça. Mais c'est ce que les gens disent. Les gens disent, Adam Kakatumbi. Les gens disent, Adam Kakatumbi. Donc, et on l'a sur la TV. Si nous sommes ça, si quand je viens à la télévision, c'est pour dire que Katumbi est bon, bon, bon. Moi, je dis ce dont je crois. Moi, je crois en Tshisekedi. Très bien. Tshisekedi père. Ceux qui ont le baguette Katumbi, ça, bon, 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 ma belle zate. Ce qui est exagéré est insignifiant. Ceux qui ont le baguette Félix, ça, bon, 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 ma belle zate. Mais au moins, dans les lots, ceux qui ont le baguette Fayoul, moi, je suis ma belle. Pour la bataille Fayoul, on y a un Félix, ça, ça, la toi, au loba. Attends, le baguette, on l'a dit chemise à Pembe. Soit ça, mouta Félix, soit mouta Fayoul. Le coup de chemise, je les appelle. Ce que ça m'a dit, Félix, Fati Béton, on y a un bateau, Fayou le Barolo. Ils ont ma bé. Oh, ma exacte, ils ont ma bé. En. Congo, on voit ce que tu as dit, tu as dit. Alors, profil des premiers ministres. Dans la vie, il faut apprendre à Rosal Moulenga à Pembe. Tu as un penchant, même arbitre dans une équipe à Koumissa. Tu as un penchant d'opposition à ma casse. C'est pas faux, hein, quand les gens disent que. Nazam ta Fachi, Nazam ta Moïse, Nazam ta Fayoulou. Mais quand on a l'inga Fayoulou, mais Barozong, c'est avec le temps. Barozong, c'est l'inga Fayoulou. Nazam ta Jean-Pierre Bemba. Nazam ta docteur Mukwege. Nazam ta Monseigneur Monsengo. Nanko! Voilà, Nanzibi. Mais si Kouyo, ce qui est mauvais, c'est quoi? C'est que nous soutenons ces idéaux parce que nous nous sommes battus. Quand on a ce journaliste, tu donnes l'information, et puis ça, je vais expliquer ça aux gens. Dans ce journaliste, qui a fait quoi, où, quand, comment et pourquoi, question de référence. Dans ce qui en a, que je donne l'information, je m'arrête là-bas. Non, dans ce journaliste, tu sais pourquoi nous donnons les informations? Pourquoi on dit qu'il n'y a pas d'eau à Mongafoula? Que Gentilien a sali forage à Komotek la Batoumaï? Que Rosieux est dans la Massangambila? C'est après avoir mené des. Quand nous disons ça, c'est pour que le gouvernement vienne agir pour que la vie du Congolais change. C'est ça l'objectif des infos que nous donnons. Dénoncer un fait pour qu'il y ait un résultat. Après avoir dénoncé ces faits, nous avons la bande de combat. Il y a retenu mes affaires. Et je m'assume. Je m'appelle un journaliste engagé. Mais je ne suis pas le premier à le faire. Il y a Zongo, notre père Zongo, qui l'a fait dans l'Afrique de l'Ouest. Il y a un certain Ben Badis avec la révolution algérienne. Il a fait le même travail. Il y a un certain Edmond Morel. État indépendant du Congo, comme le Congo belge. C'était un Anglais, comme on est Edmond Morel. Alors, il y a un Rosalind qui a été sambaté. Kabila, où est-ce que Kabila, où est-ce que Rosalind est On a ce que je veux Léopold. Alors, ce salam, nous sommes bien, Bachemé de Fabien. On va terminer l'émission. Alors, Léopold, à Kataraba, Congolais, Liboko, il se présente avec des moignons. Il a diffusé cette information, ça lui a coûté des menaces. Mais Léopold, il y a un Sima. État indépendant du Congo, tout comme le Congo belge. Histoire à Mboka Okutu, sauvé par un journaliste. Très bien, l'émission est terminée. Un journaliste, on est gardien du temple. Tu mené Kabila vie dure. Tu koti ba bolok, tu bimi, ba braka ngai, na ki ma palé, na mona ramwa si na bana te. Les gens parlent, ils sont en Europe, d'autres, ils sont ici à Kinshasa, ils se la coulent douce dans les hôtels et dans les flats. Nous, on a essuyé des tirs dans la rue. Moi, j'ai été, moi, Tiani, Je dis, je ne vais pas fouiller. Ouvrez qu'on vienne m'arrêter. Je veux leur affronter. C'est eux qui ont peur, pas moi. Maman, on voit ma calme, on a voulu me déshabiller. Opposant ma Franck Diongo, père son âme colonel Simba, ne baillard au Simba, trouble banan la prison. Non, biba foi, bafoua, bafoucha la bacha, pour moi l'eau aux ananzotes. Ma bide prisonnier, bah pousse en awa, tout aussi dans la prison. Pression, ma directeur à prison, ok, bouchan la c'est, même dans la chambre. J'ai subi des humiliations, je te dis, il a pris les moments noirs de ma vie. Nous pouvons aujourd'hui rire, nous pouvons parler, mais les gens ne savent pas. Ce que c'est la prison. Et je plains, je demande à Christian Bossembe et à tous les amis, on doit faire quelque chose pour eux, même s'il n'est pas de l'obédience du changement. Pius Romain Roland, nous devons faire quelque chose pour lui. Cher ami, la prison n'est pas facile, mais il ne faut pas avoir peur de la prison. Si c'était le chemin de passage, il faut l'affronter. Moi, s'il faut que je rentre en prison pour les vérités, très bien, l'émission est terminée. On l'a rechangé, pété. L'émission est tellement bien, pour ça, on le bagarre. Ça dit que, comme on le moussou, il y a un bagarre. La télé, c'est l'État, malheureusement. Abetelo, l'isolo.
qu'est-ce qui se passe en prison. Très bien, on qu'est-ce va en parler. Qu'est-ce qui se passe réellement avec des prisonniers. On en parlera. Ça, je vais mettre ça dans un document. Mon prison, nous sommes dans ma peut-être sous facile de l'échanger. Mon prison, nous sommes dans beaucoup de choses, les prisonniers ne peuvent pas dire. Très bien, on en parlera. L'émission est terminée. Peter Tan, c'était en tout cas un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Non, moi j'ai beaucoup aimé. Tu m'as fait parler. Et je crois que si de temps en temps tu m'invites comme ça, ça va me faire énormément plaisir. Mais mon message est encore réitéré. Le président de la République sera lui-même seul face au bilan 2023. Et donc il doit travailler avec les gens que lui estime qu'il fait confiance. Merci. Qu'il fasse confiance na bateau yazo sa la bonne confiance va changer ne ba vie na biso. Mais c'est le président de la République so ba vie na biso changer te na ko critiquer yo. Mais le ressort de l'opposition contre yo te na na sala on a Kabila na maman Waro parce que tu peux ba rater nga ba contactant nga maman Waro a contactant nga to voyage. Et puis ba contactant na za la muto a ner. Le Kikeba tu es sur le plateau comme ça c'est peut-être rapidement. Tu es mon jeune frère mais dans notre métier il y a des gens qui sont dans les services. Fais très attention, fais ton travail, bouffe l'argent de la sueur. Quand vous faites un bon côté au fond d'un collègue, non, journaliste, pas Bakangaye, bon Makila. Au lieu de lier ça, bon Makila. Très bien, l'émission moi, est terminée. Moi, j'étais parmi les personnes contactées, l'ambongo, avant Kampala, avant la côte à Bolok. Au tel côté, tel à Zalakuna, tel côté, tel à Zalakuna, il y a quelque chose autant. Nous, on a appris à dire non. Parce que vrai chrétien, ça a été encore ma prière, mais vrai chrétien, ça a été devant tentation. Alors, il y a Eros Simbate. L'émission est terminée, Nicolas mesdames et messieurs. J'ai que la peur quitte vos esprits. Et que Dieu bénisse la RDC. J'ai eu le réel plaisir de recevoir sur ce plateau Peter Assiani, patron du Vrai Journal, avec qui nous avons passé en revue toute l'actualité en République démocratique du Congo. L'émission est terminée.